J'ai organisé aujourd'hui le deuxième forum des PME à l'international en présence de Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, en présence de tous les opérateurs publics et privés d'accompagnement à l'export et en présence surtout de très nombreuses PME qui soit sont déjà présentes à l'international, soit souhaitent se lancer. Vu que nous réalisons 80% de nos activités à l'export, le soutien de la diplomatie française est absolument crucial pour nous. Et je dirais qu'on le vit au quotidien. Nous avons remporté plusieurs contrats depuis quelques temps grâce justement à ce soutien très fort du ministère des Affaires étrangères. Nous notons de plus en plus la participation à des voyages officiels. Nous avons pu participer à des déplacements en Indonésie avec Matthias Fekel notamment, et puis aussi avec Manuel Valls en Arabie Saoudite. Donc véritablement, ces voyages-là nous permettent plusieurs choses. Premièrement, de rencontrer des personnes de haut niveau, de nous présenter au sein d'une délégation prestigieuse, ce qui nous permet d'avoir accès à des interlocuteurs qui pourraient par la suite devenir des partenaires. C'est un travail au long cours pour redresser le commerce extérieur français et pour toujours plus mettre les PME au cœur de l'État et au cœur de nos politiques publiques. Ce forum y contribue, mais ceux qui y contribuent surtout, ce sont les entreprises elles-mêmes, les entrepreneurs, leurs salariés qui font vivre l'excellence française partout dans le monde. Merci à eux et je leur dis à bientôt sur le terrain en région et ici pour la prochaine édition.